Oia, como estão aí, está aí, a calha, como está todo, mas está aí na altura, não tem nem popô, e nem, e metade que tem, está todo, e a puma está todo, está todo, está todo, está animar, ou e o ludo, não tem jeito, está todo, está todo, está happy, e tem, não tem, calha, e ludo, Ka o ha, e les gato, noirs, Taria, les auditeurs. e gato, Métaille. metade, alors, ces derniers temps, qu'est-ce que tu as fait? Ces derniers temps, bah, j'ai soigné pas mal de chiens et de chats globalement là. Et puis bon, il y a eu un petit déplacement sur Chihuahua. Chihuahua il y a une quinzaine de jours. Voilà, et Alors, puis retour au ben. bercail. Bien Voilà, sûr, ça, confiné. bien sûr, rester à Voilà. la maison. Voilà. Hein, le virus circule pas mal là-bas, donc bon, on fait en sorte de. Oui, une chose que j'ai entendue ce week-end, que les gendarmes sont passés au stade là-bas, là-haut, ils ont tous chassé les Ah oui. spectateurs. Ah là 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 là. C'est ça que j'ai entendu. Ah Donc oui. voilà, on reste dans le confinement et on Ah va oui. pas regarder le sport, hein? Ah oui, ça devient N'est-ce le pas? péché mortel de Oui, se rassembler, de se faire des oui, oui. bisous. Bon, surtout, Hum, enfin, il n'y a pas vraiment de cas avérés chez nous depuis quelque temps. Non. Hein? Non. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, on va continuer notre petite exploration du monde des cochons, des Les cochons, pouacas. les pouacas. Voilà, la fois dernière, on avait vu où est-ce qu'ils habitaient et comment bien gérer ça pour leur confort ou leur bien vivre et pour notre santé aussi et pour limiter les nuisances. Alors on va continuer, on va peut-être parler de l'alimentation. Et D'accord. puis selon le temps dispo, on pourra aborder un peu la reproduction ou ce genre de choses. D'accord. Et c'est vrai, les cochons chez nous, il y en a partout, ils peuvent habiter partout. Bon, il y a, bon, c'est pas comme en France, ils sont bien cloisonnés dans des Ouais. porcheries, bien élevées, dans des bâtiments Ouais. spécifiques. Oui, après, c'est des porchers qui sont mal élevés, c'est-à-dire que à force de faire des porcheries industrielles énormes avec une grande concentration de cochons, ils deviennent débiles, donc on doit leur couper les dents pour pas qu'ils s'abîment, on leur coupe les queues pour pas qu'ils aient des abcès, ça pollue l'eau, on peut plus boire l'eau du robinet, enfin voilà. Donc, non, moi je préfère nos petits parcs petits, mais plus humains et plus cochonnesques. D'accord. Et qu'est-ce que pourrait manger un cochon alors normalement? Alors, un cochon, ça mange de tout. Ça mange de tout, c'est Ça vrai? mange de tout, c'est ça qui est bien pratique. C'est un super recycleur. C'est un omnivore comme nous. Ouais, c'est exactement, ouais. C'est un omnivore. Bon, après, il y a des règles de base à respecter si on veut quelque chose qui fonctionne sur du long terme. Mais c'est un super recycleur. Donc, souvent, on l'utilise pour manger nos restes de repas ou les restes de la cantine scolaire ou. Ou les fruits qui traînent sous l'arbre. Exactement. Ou alors. Les L'autre jour, je cocos, enfin, voyais tout ouais, ce c'est qui ça, traîne. hein. Je voyais un pêcheur qui rassemblait les abats des Les poissons, abats de c'était pour les poissons. cochons, enfin voilà. Voilà. Ça, c'est un très bon recycleur. Et puis comme on mange quasiment tout dans le cochon, Voilà. bah c'est pratique. Voilà. Et oui, récemment, tout le monde a été un peu pauvre, mais maintenant, il n'y a pas retourné, mais tout à l'heure, au Lucien, il a été un peu. Et il n'y a pas retourné, notre mère, il a été un peu pauvre, il a été un peu pauvre, notre mère, il a été un peu pauvre, il a été un peu pauvre. Atka ai tot po ia te po kai tot po ia te tot po kai ka ne ia te ha e te ata me pa tu atka no te ni a e te ko ta to ko te kai kai te po ka e hata ia kai ne e hat me te ku ia te po ka no te ha kai ai atka pe oni hoi to ta tu to te a me po ka me ta tu nai ho e kai ia te me mo pa tu me te ku ia ia Alors, une règle de base, c'est que, comme pour tous les mammifères, hein, ou la plupart des animaux, on ne peut pas manger qu'une seule source d'aliments. Il faut varier un petit peu pour qu'il y ait au minimum de l'énergie, des protéines et des fibres. Et tata tout au poids, car oui, à tout même au poteau, à tout cas, à noter.
no te tuku ia ato no te tu ato po ia ta ita i me ta to we e na ho me te tau me mo e tuku ia ia ta to we na me te ame mo pe ia e proteine me na me te ame mo pe ia e fibre e na me te ame ho pe ia energi no te me me mai no te a i ia ato e no te a no te am ta ita i ato o ia te ka to i te ato me mo e tuku ia kai kai tuku ia tuku ak. Alors j'oubliais le quatrième point indispensable, c'est l'eau. L'eau, et mettez-vous, ça boit de l'eau, les cochons, comme oui, tout le temps, les animaux, temps. Il y a besoin. Il y a besoin d'eau, oui, d'ailleurs, oui. Ils se vautrent dans la boue, c'est de l'eau. Alors, ouais. Donc là, ça répond à un autre besoin, effectivement, voilà. Les cochons adorent se vautrer dans la boue, notamment pour se débarrasser de leurs petits parasites et tout ça, hein. Mais il y a un besoin pour boire et il y a un besoin pour se vautrer. Tout à fait. E te aha katuhu i te puaka, o i ati te me mau taitai o koe tuku ia ni te puaka e vā i me tātou i hoa. Tō te mea e te puaka mea inu o koe i te vā i e ati i hoa me te puaka e unuka ai tō te amea epoka. Alors, où est-ce qu'on va trouver des fibres? Ça va être par exemple dans les fruits, ça va être dans les cocos. Voilà, les fibres, ça va servir pour bien digérer. Il y a besoin de fibres pour aider le transit du tube digestif. Et tenez mes mots, il y a une image et fibres, et au thème et au nana mais ah, et n'a tenu ta mémo et quoi ca et tu quoi tu étais ta quoi ca, mais tenez ta pour quoi ta to et n'a to tenez ta pour quoi tenez mes mots fibres et n'a ia. Voilà. Où est-ce qu'on va trouver de l'énergie? L'énergie, ça va être tout ce qui est sucre et tout ce qui est gras. Eh, te atame mau me haa i te puaka, o ia te atame mau mani ni makau, te atame me mau pukukai, e nam te atame mau me mani ni. A ti hoa me te atame mau kerehi, te atame mau kerehi, e nai i ate te atame mau i no te puaka. Alors, par exemple, les sucres, la forme de... Donc les sucres libres qu'on connaît, qui donnent ce goût sucré, on va les trouver dans les fruits, la plupart des fruits. Mais les sucres assemblés ensemble pour faire quelque chose qui se stocke, on va trouver ça dans l'amidon. Hein, ce sont les deux principales formes de sucre. E nā me te manini e vaini tō te atawa katu me he harawa o ti a koe am he manioka o ti te amea amido he pia, e pia te akatu me pia e nā he manioka, e nā he harawa e nā te atawa me tō te atawa kaikai. Donc déjà on voit que par exemple le coco, il y a pas mal de fibres, c'est gras, hein, et donc il y a aussi des sucres, donc c'est déjà un aliment qui est presque complet. Il n'y a pas beaucoup de protéines, mais c'est déjà une base d'aliments qui est déjà pas mal. E nam te ame mau e hi tātou, e mea nui ko te hei o tātou. O tō te ehi, e nam te ame mau e fibre pe auia nei, e te ame mau manini, e nam te kerehi o tō, e nam te ame mea momona ho i te ehi, nam te ame mau kerehi o tō. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour équilibrer une ration avec du coco? C'est par exemple les feuilles. On va aller chercher des feuilles au bord de la route pour compléter la ration. Eh, nous te ava et quelque tu pour comme te ame mau ehi et quand il y a tatu et tu te ame mau eita nous te ava tu te momonat quelque tu pour aka mais nous tu y a tatu te ehi to te ehi et nam te manini nam te krehi atika no te ava ki et te momonat quelque tu pour aka et tu quoi tu te eita. Bien sûr, c'est quand même très gras et ça va donner des cochons très gras qui vont avoir un petit goût particulier. D'ailleurs, de manière générale, ce qu'on va donner à manger au cochon va influencer le goût de sa chair. Et donc forcément, si on lui donne que de la merde à manger, il ne faut pas s'étonner si on devient malade en mangeant des... Voilà. Et toi, tu as ta hakatu et ta tatu et quelqu'un qui est connu et pouvoir, comme il met ta tatu et ehi. Et ya kai tatu et pouvoir, et au côté tatu et amen, momuna ehi.
Alors, où est-ce qu'on trouve les... Donc, on a vu pour les fibres, on a vu pour l'énergie, et donc il reste les protéines. Où est-ce qu'on va trouver les protéines? Bah, bien sûr, on va en trouver dans les restes de, d'animaux, de viande, de poisson. On va en trouver aussi dans, bah, dans les feuillages. On va en trouver dans, un petit peu dans les patates douces, par exemple, ou dans certains, certains féculents. Et puis... Banane, peut-être. Les bananes, alors surtout les bananes vertes. Vertes. Hein, y a des pays où la base d'alimentation des cochons, c'est les bananes vertes. Et on est dit même au tout il y en a beaucoup car il y en a mon mon appel il y en a des protéines. Et à même aux protéines et tout pour il y a enana enate à même il y en a il y en a hika. E nei tō tite tau ka katu puku kai mehe kuma aoti, mehe mei ka puku oti o iate tau ka katu. A tika ai tō tite tau ka nua, o iate kai kai tuku ia nei te, te puaka te a mei ka puku, no te mea mea nui ko te a me mau e proteine o tō mehe mea katu ina, o iate ha katu e tō te mei kai. No kei ka, o iate tau me mau tuku ia nei te puaka, mi te mea hoi e puaka, tuku nei tātou te kai kai o tō tō ia puhu ia taitai. Te ame mau e fibra, te proteine, me te nei peo tau keikei peo ia nei e energi, me te tau energi oto. Alors, donc on voit que finalement, c'est pas dur de nourrir des cochons, parce qu'on trouve des restes, parce que dans Ofaapu, on va trouver de quoi nourrir, et puis si on va cueillir un peu des feuilles au bord des routes, en complément de, des cocos, on y arrive. E no keika e me mauhana nui te haka ia i te puaka. No te mea e puaka e mea kai e te me mau pautu. Te koaka te a me mau puku kai o tō te wha a pu a ko e a. Ti te tau me mau ke atu mehe ehi e i ta naho me te atau hakatu. Ia a ehana nui te puaka i haka. Alors après, tout ça, on a parlé de nourriture un peu fraîche, vivante, donc qui ne se conserve pas forcément bien. Donc des fois, c'est pratique d'avoir des aliments en sac qui permettent de compléter ou de stocker facilement. Et là, ici, on trouve deux choses de manière facile. C'est le tourteau de copra et bah, les aliments complets en granulés. Et... e yo tato nei e nei hamte ni tau kei kai i e kei kai o au au i pe au tato e nam te tau puku kai te tau toi ka kai kai e tato e tuku ni te puaka a tika a e nam te ni tau me mau kei kai ho e pe au i a nei e pe au i a nei e turto te ni tau o ta e hi e uo pau te taki e te nei e kerehi mi oto a koe am te ni me mau hao e pe au i a nei granule e kei kai ho te nei na te tau animara e me ta ia tuku i tupu aka. Au ia ati te tau katu e koka ia tātou ia kāputu he hae, e toho i o te tau kaka, me hana mai kai kāputu he hae, e au ia ati te tau kai kai koka ia tātou ia haka i tupu aka. Donc le tourteau c'est intéressant parce que en fait le tourteau c'est quoi? C'est les cocos qui ont été séchés, déshuilé, pressé pour récupérer l'huile, donc le gros du gras est parti, le très gros du gras. Qu'est-ce qui reste? Les fibres, les sels minéraux, les sucres, les peu de protéines qu'il y a dans la chair de coco. Donc c'est quelque chose qui sera un complément énergétique quand même, c'est quand même, ça apporte pas mal de, d'énergie qu'on complète avec, là il faut du vert, hein, là il faut des, du feuillage pour compléter, et ça peut faire un apport qui est intéressant de temps en temps. E tēnei kei kai e turto, e pēo i hoi e ehi o ta, e o ta ehi. E o ta ehi o taki ia to ia kao mi o to, e o to tēnei me o ta ehi, e ua toi mai tēnei tau mōmunai o to tēnei, tēnei o ta ehi, tēnei fibre pēo ia nei, tēnei proteine, tēnei tau kei kai pēo ia nei, mea tukui te iima o to tātou nino, mea anat puaka.
e me mo ke te a ko ke tu ko tu tu pua ka e te tau wa e ko a ka e te tau wa e a he ti kai kai ko ke tu ko atu me a mo i te tau te tau wa pau tu e no te ni kai kai mo i ha ma ha e te tu ko tu ti te eita no te a ava tu te te mo no te kai kai te ni te pua. Alors, l'alimentation granulée, c'est encore plus facile parce qu'en principe, elle est complète. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans pour bien nourrir un cochon. Avec quand même une petite, un petit bémol, un petit, si je peux me permettre, c'est que ce n'est pas une alimentation qui est vivante. Mmh. C'est comme si on ne mangeait que des boîtes de conserve. De temps en temps, de manger quelques fruits, ça va ramener des vitamines qui vont manquer dans les boîtes. Là, il y a des vitamines et des oligo-éléments dans les granulés, dans les concentrés, mais ça reste une alimentation qui n'est pas vivante. Chimique. Oui, en partie, oui. Ouais, il faut le savoir, quoi. Mais c'est un élément qui est complet. En principe, il se suffit à lui-même. Et n'a pas tenu quelques granulés, mais t'as eu capoyonné. Mais m'a tenu, mais à caner, il y a. E atika ai o tō tēnei granulē nā me te tau mōmuna pautu o te kaikai oto e koa kai atu kua tui te pua kai te ia ai te ia me a e a vaineho i tēnei tau kaikai o au ai o tātou tau puku kai pautu mo i atu kua nonu granulē e ua hani tā tātou pua kai te kai te atau te a kaikai granulē a e kai kawai tā tātou kaikai o au. Alors, on utilise souvent ce genre d'aliments dans les grosses porcheries avec des cochons de race améliorée, qui sont de meilleurs transformateurs d'aliments que les petits cochons à moitié sauvages, qui sont des moins bons transformateurs d'aliments, c'est-à-dire qu'il faut manger plus d'aliments pour faire la même quantité de viande pour un cochon qui n'est pas de race améliorée. Et l'avantage des aliments industriels, c'est que c'est concentré, donc ça prend pas beaucoup de volume. Et ce qui va limiter un cochon, sa ration, ça va être le volume de son estomac. Donc plus c'est concentré, plus il y a tout ce qu'il faut dedans, et plus il va pouvoir optimiser ce qu'il mange pour faire du muscle. E tēnei tau kei hoi e au ieni granulē, ahana ieni o tō te atau, hae haka ia pua ka kaka uo me mauhana mai ka hoi te a no te mea mea hana mai kai ka putu tēnei tau kei kei o tō titai hae a vai ia i tēnei tau haina me mau te a nam te tau mōmuna pautu te kei kei o tō mea hana mai ka no te tau pua ka atika a no te haka i te pua ka no te atau pua ka no te atau haka ia ka kau o ia atatau kei kei tuku ia te. Et il y a un danger, par contre, quand on utilise ce genre d'aliments, c'est quand on fait des transitions un peu sauvages. C'est-à-dire, si on a l'habitude de donner une ration ménagère avec des feuilles et du coco, et que brutalement on ne donne que du granulé, on peut retrouver ces cochons, les quatre pattes en l'air, morts, quelques heures plus tard, parce que ça fermente tellement facilement ces aliments-là que la flore n'a pas eu le temps de s'habituer, sa flore digestive, les microbes dans son ventre vont exploser, se développer très rapidement, ça va faire énormément de gaz et on peut retrouver ces cochons morts à cause d'une fermentation sauvage liée à l'absence de transition. C'est-à-dire que si on fait un grand changement d'aliment, et ça c'est quelles que soient les espèces, hein, encore plus chez les chevaux, j'ose dire, hein, qui risque très fort, qui est très, très sensible à la colique. Si on change brutalement l'alimentation, on peut avoir des gros pépins et qui peuvent aller jusqu'à la mort des bêtes. Et te hananui no tēnei tau kaikai pe au ianei granulē, no te mea, te awa wahani tā tātou tau animara me he puaka, me he huware o ti te kai te a tau keikei eita, a koe a tau tātou tau puku kai. Ia taui wewe, ia taui tuku tātou i tēnei keikei granule mahopeo i ananu te keikei. Ti ohi meita i tā tātou tau animara, no te mea, e hemo tītai te keo ia i ato, no te mea, i to'o ia te awa no te hākai mo'u i ato me te ni kai kai, hāhani i ato,
notre mère il avait été hanio te ataume mai toto tenino o tenita animara notre hani a to it kaite nei granulé peuyane e mita i hemo a to it tei hi o konui e tete mate i o tenita kua ka ko tenita animara he hovare no ke ikati o mita i ta to i hakaita to tenita kai kai ta ta to animara e hakai mo umu i hakai e te hakai ia e te a au i anho tai e kai kai aua e te mei hakai ia i hakai mo u ha ai ti ti mata ia te te a wau hani nui ia i te te kai ia i te ni kai kai a tai tuku anandu te ni kai kai te mea au e e kai kai e ia hakai ma wawika o te e tata tatu e tuku nei te ni tau ani mira tatu hakai ni. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah, il y a des moments où les besoins des cochons augmentent, c'est pour les femelles, pendant la gestation et la lactation. Hein, on dit que pendant la gestation, quand la truie a ses petits qui poussent dans son ventre, elle mange, elle a besoin de presque deux fois plus d'aliments pour pouvoir construire des petits en plus de ses propres besoins de son corps. Et quand elle allait, là c'est pire, on multiplie quasiment par 4 l'alimentation. Voilà, ses besoins sont augmentés par 4 parce qu'il faut beaucoup d'énergie, de protéines pour faire du lait. Et tu te dis que tu es quoi 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 que e me ta ia tatu ia pe au e te awa i a i kopu tamana te kuaka e a i a heka kaiu e tai hakai i a oti e i te awa ua e nama te kakaiu e tata i ua te kaikai e tene koivi puaka no te mea e hakai e to ia nino e hakai e tene kakaiu i toto ia kopu e titei ka ua i te awa ua hanau te kakaiu e u hakai te nei koivi i te kakaiu mto ia vaiu tata i ha te hakai te nei puaka te toia koho ai te kaikai tata i ha a e tahia nei ho a e ua tata i ha no te mea e hakai ai toia nino e hakai ai te nei puke kakaiu e kanea ai te vaiu no te hakai te nei takua kaiu o ia te hakatu o ia te tau mea tātou tau hate hakai te mai nei e tātou e te atau awa ua me te kakai ua tēnei koe vipuaka a tātai ua te hakai i te awa ua hanau te kakai ua hakau tēnei koe vi te kakai umtu ia vaiu tātai ha te hakai tēnei puaka. Alors c'est pour ça que ça c'est pas très connu hein, forcément. C'est pour ça que souvent, quand on voit une truie avec ses petits, on trouve qu'elle est maigre. Elle a beaucoup maigri. Parce que si on continue à donner la même quantité de bouffe que d'habitude, ben, la truie, elle va se sacrifier pour nourrir ses petits. Donc, tout son gras va passer pour faire du lait, et puis ses muscles. Et puis, ben, à la fin, elle va même finir par en crever pour que l'espèce puisse continuer à se perpétuer par les petits. Hein. Il faut qu'elle puisse plus manger et c'est pour ça que pendant la gestation elle fait du gras, elle stocke du gras pour pouvoir préparer pour faire le lait plus tard parce que ça demande tellement de réserves d'énergie et de protéines pour faire du lait qu'elle se prépare à l'avance en stockant, mais à nous de suivre le mouvement en donnant plus à manger. Et i tini tātou i tātou tau koivipu ka i ahana u e nā pōpororo. I a pōpororo no te mea e awata tātou hakai ia. E u hakai te ia mai ni te mea i ahana u nāi te kakai u puaka. E tātai ha te hakai tātou puaka. I tēnei a, i tini tātou te mea. E o ia ananu tātou e nui ia keikei hakai te hua mea ananu i te ia i te ia. A e awa. Ia hana unai te kakai upuaka, tata iha te kakai te koiwi puaka. A ti ite hakatu. Alors du coup, comme cette truie elle a plus de besoins, mais qu'elle a aussi moins de place dans son ventre, parce que les petits prennent de plus en plus de place, ça veut dire qu'elle doit manger plus souvent. C'est-à-dire que quand on a une truie où on a ramené le verra pour la grimper,
on verra pour la prochaine émission, la reproduction. Et ben, pendant sa gestation, qui dure 3 mois, 3 semaines, 3 jours, il va falloir lui donner plus à manger, et pas simplement une fois par jour, mais peut-être 2, voire 3 fois par jour sur la faim. Et mais tata tout en TPAD, il y a koputa mat pua ka ya mit me nam ta ka ka yu kopu e u ya te ava ha ka mi ta 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 tu pua ka mo ye te no ha ka ye te a e te u ti u a to u ti ha ka ye te a e u ya te ka tu e mo ita to u e ma ka u me a e ko ha de ti di pua ka te te ha ka ya ya ho i to ya ni no te ya ha na mo ita ya ka ka yu e u ya te ka tu te koho a te pūkai a kai no te tautau ia ia, ha anui tau ia kerehi, e te a kua kai a ia ia hakai tai a tau kakai u pūkai a hana oma. Bon là, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qui était utile pour cette partie d'alimentation. Oh ia, wa pautau ma watu mo te kaone u ko te kai kai a te pūaka, ma te hakai ia i te pūaka, et la prochaine fois, on va parler de la reproduction. Voilà, oui, la reproduction. Ouais. Voilà, super. Merci, Edouard. Merci, Ludo. Avec à la plaisir. Prochaine. Et merci aussi, chers auditeurs, hein, de nous avoir écoutés ce matin. Et merci, les cochons, de nous nourrir. Ah, merci aussi.